Bonjour tout le monde, je vais essayer de vous faire quelque chose. Mais je vais avoir besoin de la machine. Je vais essayer. Voilà. Je vais déjà découper dans un premier temps, dans une feuille A4, ce gabarit-là. Voilà. Je vais découper ça dans ma machine. Je vais la mettre en face de moi, mais elle est lourde. Je vais la caler. Je mets mon papier. Et ça. La vitre par-dessus. Vous voyez pas tout, mais ça va venir. Dans un premier temps, ça s'est coupé. Ah, j'aurais dû couper le marqueur. Et la reliure au milieu. J'aurais dû marquer ma reliure au milieu, je l'ai pas fait. Je vais l'enlever. Est-ce que je prends la large ou la petite? Oh. Eh bien, écoutez, hein, j'ai des plaques aimantées qui sont aimantées. Voilà. Est-ce que je prends la large ou la petite? Bon, mais je ne vais pas faire tant de pages que ça. Hein. Je vais mettre celle-là. Alors, donc, il faut que je mesure maintenant. Comme j'ai enlevé le gabarit, si je veux la mettre au milieu. Alors, ici, j'ai 21, donc la moitié c'est 10 et demi. Moi j'étais pas loin. 10 et demi c'est ici. Oui, c'est déjà tu restais droite. La règle. Mettre ça à cheval sur les 10 et demi. Voilà. Alors, je suis à 10 du bord. Ouais, là, elle n'est pas droite. Mais enfin. Alors, 10 là. Voilà. Bouge plus. Et 10 là, je vais aller chercher mes scotch. Hein. Oh. Les scotch repositionnables. Alors, ce qui m'embête, c'est que ils collent énormément, mais que je peux pas les coller sur mes bras. Allez, je recommence. 10 et 2, 10, 10 sur bord, puisqu'elle fait 1 cm. 10 là. Et 10 là. Attends, un petit peu plus loin parce que sinon ça va pas le faire. Oh, mais si ça bouge tout le temps, ça peut pas aller, ça. Ça ne m'aide pas du tout. Bouge plus. Ben oui, bouge plus, ça bouge quand même, hein. Ah oui, je disais que ça collait trop, mais ça colle pas du tout. Bon, je vais refermer ça, me mettre à plat. Je recommence. Oui, j'ai coupé ça avec mes doigts, mais mes doigts sont gras alors. Je ne veux pas tracer au crayon. Bon, alors, j'ai dit que.
et ne bouge plus. Oui, non, mais s'il va bouger, parce que là... je rigole de mes bêtises. Sincèrement, vous croyez que je suis aidée? Je dois avoir le diable dans le corps. Esprit, sort de là-dedans. Et arrête de m'embêter. Est-ce qu'il va coller celui-là? Je le colle partout. Voilà. Mais je suis pas maligne en plus. Je ferais mieux d'aller me coucher. J'ai mis le die à l'envers. Bon, allez, on recommence. Je l'ai mis à l'envers. Et personne ne me le dit qu'il est à l'envers. Hein. Vous me regardez toutes là, je vous fais rigoler. Mais vous ne m'avez pas dit que je l'avais foutu à l'envers. Vous voyez, je voulais faire un tuto. Je voulais faire un truc. J'aurais mieux d'aller me coucher. Voilà. Bon, on va passer dans la machine. Oh Seigneur. Qu'on est bête parfois. Bon voilà, ça c'est fait. Je vais pouvoir la plier comme ça. En plus, c'est pas droit. Heureusement que je mesure. Et comme ça. Vous m'en direz tant. La personne qui va recevoir ça, la pauvre. Il n'y a rien de droit. Voilà. Après, moi, avec les volets fermés, je ne vois pas grand-chose. Là, je dois plier comme ça. Et comme ça. Et voilà. Oh, on va y arriver, hein. On va y arriver. Alors, j'ai pas fini parce que j'ai des petites pages à l'intérieur à faire. Avec celui-là maintenant. Alors ça, je le remets là-bas dessus. Ça, je ne le prends pas, je ne m'en servirai pas. Mais je me sers de celui-là. Donc, celui-ci, c'est pareil. Il faut que je le mette entre les deux barres. Je vais enlever le scotch parce que je vois pas ce que je fais. Et bien au milieu, mais là il y a des repères. Donc bon. Hop. Et hop. Et ça, je vais les mettre sur. Ah oui, c'est ces feuilles-là. Je me souvenais déjà plus de ce que je voulais faire. Allez. Hop. Et ça, je vais pouvoir en couper plusieurs à la fois. C'est assez large, ça. Oui, ce serait assez large, ça. Attends, je vais peut-être les prendre. Je vais en mettre combien des pages? 1, 2, 3, 4, 1 machin, un truc, un bidule, une chose. Il faut que je note. Il faut que je prenne des notes. Non, je vais en oublier. Hop, un crayon. Voilà. Alors, j'ai
2, 3, 4. Et le reste ne rentrera pas. Je vais en faire 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et je pense que ça... Je peux les prendre en travers, là, avant de coller ça. Oui, ça rentre comme ça. Comme ça, je peux en prendre 2. Je pense que je peux en prendre 2. Donc, je vais faire comme ça. Bon, j'ai pas trop de place et je perds du temps. Allez, je mets ça comme ça. Mes feuilles, je vais les mettre bien à plat parce qu'elles sont pas bien pliées. Il va falloir que j'en coupe un morceau. Hein. Une crotte de bic. Je vais les couper en deux carrément. Je vais les couper en deux. Normalement, pour 5, avec 3 feuilles, j'en ai assez. Donc, je vais les plier comme ça. Les couper en deux. Ben oui, mais je peux pas attraper mes outils, j'ai mis ma caisse là. Alors, ça veut venir, oui. Voilà. Et je pense que je peux faire les 6 à la fois. Il n'y en a pas qui sont cornées. Hein. Il y en a une qui est tachée, mais comme de toute façon, il m'en faut que 5. Il m'en faut que 5. Donc, allez, je remets mon truc là. Et vous tenez en place, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ma plaque qui va dessus. Hop. Je prends mon sandwich et je le fourre là-dedans. Allez, hop, en avant. Trompette. T'étais pas obligé de crier. Voilà. Je te replie, je te pousse. Hop. Bon, tout ça, ça part à la poubelle. Ben oui, j'ai mis des trucs sur ma poubelle, alors j'ai plus de poubelle là. Hop. Ça va sur ma plaque aimantée. Oui, j'ai pas mis ça. Oh, tant pis, c'est pas grave. Mais trop de choses. Alors, ça, c'est pareil. Il faut que je le plie. Que c'est pas nécessaire que je le plie dans le fond. Je vais les coudre, les assembler. Je vais enlever celle qui est tachée. Quoique la tache se voit pas beaucoup. Enfin bon, voilà, ça fait 5 poches. Et je vais attacher ça ici. Ici, ici, ici. Alors, je vais y mettre des attaches parisiennes.
Alors, ma caisse que j'ai mise là à côté de moi, elle me gêne. Ben, voilà que je l'enlève. Eh oui, tu me gênes, ma belle. Je vais te mettre sous la table. C'est mes chutes de papier que je voudrais utiliser pour faire ce que je vais mettre dedans. Hop! Je vais essayer de mettre moins de choses possibles autour de moi pour pas me casser la figure. Allez, attache parisienne. J'aurais pu le coudre, mais j'ai pas envie. Oh ben j'ai perdu un curseur dans la bataille là-bas. Est-ce que je mets les foncés? Est-ce que je mets les clairs? Mais j'en sais rien. Au jour, à la lumière, ça fait quoi? Oh, je vais prendre cela. Alors, trois pareils. Entre trois. Voilà. Bon, voilà que je cherche le curseur. Oh là là là. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Allez, hop. Hop. Et hop. Maintenant, il faut qu'ils y restent. Hein. Non, mais je ne vais pas leur courir après moi. Hein. Voilà. Et je vais enfiler mes feuilles dessus. Voilà. Alors, on a une. On a deux. Je devrais les enfiler comme ça. Voilà, ça marche. Voilà, oh miracle, miracle de miracle. Hop, dans ce sens-là, mes belles. Hop. Et toi, tourne-toi. Voilà. Une comme ça, une comme ça. Un petit coup de marteau dessus. Hop. Alors, je vais te faire bouger. Non, pas trop. Voilà. Ah ben, vous m'en direz tant. Maintenant, je vais les replier. Une fois là, une fois là. Ah, le montage est déjà fait. Hein, c'est quelque chose, ça, mesdames. Hein. Donc, un petit bout de ruban joli pour mettre au milieu pour cacher les attaches parisiennes. Et je vais couper des bouts de mes... Les attaches. Alors, la pince coupante, elle est là. On l'a une. En voilà deux. Oh Seigneur. Bon, maintenant, le ruban que je vais mettre là-dessus. Ah ben, je vais peut-être mettre celui-là, finalement, il n'est pas vilain. Avec ses papillons.
Dans les roses, ça c'est trop large. J'en ai un autre bout là. Oh, mais il n'est pas assez grand. Il n'est pas assez grand. Là, c'est sur Paris. Là, j'en ai un autre bout. Ah, mais il est tout petit. Ah non, il y en a un autre. Ah, il n'est pas assez grand non plus. Oh, c'est dommage. Eh bien, je vais mettre des papillons. Hein. J'ai pas tellement le choix. Ça va être trop large. Est-ce que là, dans ce tiroir, j'en ai d'autres? Rose. Mais oui, mais j'en ai, mais... Ah, ça, c'est pas vilain, ça. Désolée, ça. Oh, ça me plaît, ça. Oh, que ça me plaît. Allez, je cherche pas plus. J'en ai trouvé un qui me plaît. Allez, hop. Je remets tout dedans. Hop, hop. Je range mes tiroirs. Sa poubelle. Hop. Le tiroir, il ferme plus. Mais ça fait rien. Je vais mettre celle-là. Je vais prendre mon adhésif. Alors là, je vais mettre du bleu. Et je vais mettre du fin. Voilà. Parce que le bleu, il tient mieux que le blanc. Il faut trouver le bout. Voilà. Donc ça fait juste la largeur du... des attaches parisiennes, des languettes. Hop, je coupe là. Je coupe là. Je vais appuyer le plus possible dessus. Parce que là, si j'appuie pas dessus, je pourrais jamais enlever la pellicule qui est par-dessus. Je suis à combien? 22. C'est pas possible, une demi-heure pour faire ça, franchement. Eh bien, ça va durer une heure, mais c'est pas grave. Voilà. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Où est ma pince? Ah, ma pince. Qu'ai-je fait de la pince? Qu'elle n'est pas là. Oh, Seigneur, je vais prendre celle-là. Celle du DP, parce que je ne vois pas où est la mienne. Ben oui, ça a bien collé. Le problème, c'est que ça ne s'est pas mis correctement. Voilà. Alors, est-ce que je vais pouvoir enlever la pellicule? C'est pas dit. C'est pas dit. Je vais en remettre une autre, hein, ça ne va pas ça. Je vais en remettre une autre, ça ne tiendra pas.
Je vais faire ça correctement quand même. C'est pour offrir. Mais ça m'énerve. Le film ne reste pas collé. Voilà, ça y est, je l'ai. Ah, ben dis donc. Tu auras mis le temps. Voilà. Tout ça pour faire ça. Non, mais. On va mettre 8 jours pour faire ça, quand même. Ah, puis j'ai les ciseaux qui ne coupent pas. De la pointe. Alors, est-ce que ceux-là, ils vont couper? J'en suis pas sûre. Voilà. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais faire mes petites poches. Alors, toujours avec mon double face. Écoutez, je fais ça, je vais couper et vous verrez la suite après. Hein? À plus tard. Où c'est qu'elle est ma souris? Voilà. Hop, pause. Alors, j'ai fini de coller mes machines. J'ai collé deux aimants là. En collant l'aimant, j'ai plié ma boîte. Là, j'ai fait mes pochettes. Voilà, j'ai deux pochettes ici, une qui n'a rien, une qui n'a rien, et deux autres pochettes. Voilà, je vais décorer tout ça et revenir vers vous. Bon, voilà, alors bon, je savais pas trop comment finir, je suis là. Alors, j'ai collé mes petites poches, alors je vais y mettre des choses dedans, mais ça je vous le montrerai pas, la personne le découvrira. Là j'ai une bestiole qui me court dessus. Là j'ai mis des petites images comme ça, et là de nouveau deux petites poches. Voilà, il m'en fallait 4. Voilà, donc j'ai mis des aimants là et là pour que ça ferme. D'ailleurs, il faut que je cache celui-là. Voilà. Et j'ai fait une petite poignée pour faire comme une petite valise avec deux attaches parisiennes et encore des images là derrière. Voilà. Bon, ben le reste, je le fais hors caméra. Et je verrai à qui je l'envoie. Voilà. Ça sera un tirage au sort. Ça dépendra de la personne qui sera tiré au sort. Je vais refaire un petit truc pour mettre là, pour cacher cet aimant. Mais j'ai peur qu'après ça ne fasse plus aimant. Je vais y mettre autre chose. Voilà. J'espère que ce petit carnet, comme je l'ai fait, vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt, je vais finir mes décorations. Voilà, au revoir.